Donc, on a fini l'interview. J'avais oublié d'enlever. Attends, je n'ai pas encore demandé comment ça s'est passé. J'avais oublié d'enlever le. De faire la vidéo pour vous dire qu'on a fait l'interview. J'ai enlevé mon foulard. Donc, j'ai seulement remis comme ça là pour que vous voyez comment j'étais habillée, non? Donc, c'était comment l'interview alors? Ah, l'interview. C'était bien parce que ce qui était intéressant, c'est que le monsieur ne parle pas français. voilà. Et bien sûr, on doit faire l'interview en français. On a également fait l'interview en anglais. C'était comment? Bon, moi, j'ai vraiment mal aux yeux là. J'ai l'impression qu'elle ne voit même rien finalement. J'ai dit c'était comment l'interview, il faut reprendre la voix. C'est flou, je ne parle pas quand c'est flou. C'est la voix qu'on entend ou c'est toi qu'on voit? C'est flou, regarde l'image. Maintenant c'est clair. C'était comment l'interview? C'est moi qui vais te poser la question. On vient de finir l'interview. On a dit que le gars ne parlait pas français. Oui, le gars ne parlait pas français. Il ne comprenait pas français. Du tout, il ne comprenait pas. On parlait, il ne savait pas de quoi il s'agissait. Bien sûr, il savait de quoi il s'agissait, mais il ne comprenait pas le contexte. Et tout. Donc c'était un peu compliqué. And redo that spot right there. Make sense? Kind of. Okay. Yeah. All right. Here we go. You ready? We're gonna roll the camera. So you want me to start the one in French or English? You know, if you want to do the one in French first, that's fine. Okay. Okay. You want to help me with my notes? Okay. Yeah. Give him, you want me to take a note? No, we tell it the truth now. Non, le gars ne parlait pas du tout français. Heureusement qu'on était assez préparés, sinon oui. Ça devait être une catastrophe. Vous imaginez quand vous êtes en train de parler, l'autre ne comprend pas, oui. Et vous faites des erreurs, l'autre ne comprend pas ce que ça donne, non. Oui. Donc comme on était quand même assez préparés, oui. Tout s'est bien passé, on va oui, dire. Oui, c'est la meilleure phrase. Heureusement. Il y a une meilleure phrase, rien à dire phrase, mais tout s'est bien passé. Tout s'est très bien passé, heureusement qu'on était assez préparés. Désolé, je sais qu'il y a mes soeurs là, qui nous écoutent, mes soeurs, bah, doivent comprendre ce que je dis. Il y a une zéro, rien à dire. Ok. Rien à dire. Allez, elle a flou, t'as un flou clair. Ah, clair, hein. Donc, j'étais en train de dire que, heureusement qu'on était assez préparés, parce que le gars ne parlait pas du tout français alors. Donc, imagine un peu si... J'ai dit quoi encore? Tu as dit que c'est toi qui dis non. Ben, je comprends pas, on recommence la fessée. Recommençons. Comment était l'interview? Bon, on vient de finir et tout, ça s'est très bien passé. C'était bien après. Avant, c'était d'abord elle qui parlait. Elle a parlé sans stop, elle a parlé pendant une heure. Je me suis dit, qu'est-ce que moi-même, j'aurais la chance de parler. Elle a parlé, comme d'habitude, vous voyez que c'est toujours elle qui parle, là. Elle ne me laisse jamais parler. Je suis même étonnée qu'elle soit restée tranquille là. À tout moment, elle veut parler. Bon, elle a parlé pendant une heure. Après, elle a parlé en français, elle a parlé en anglais. Et on n'avait plus le temps parce que voilà, le temps était, vraiment, le temps était serré. Alors c'était le tour de son mari. Son mari intervient, il parle de ses racines, de son DNA. C'est un Américain. Bon, comme vous connaissez l'histoire des Américains ici aux États-Unis, c'était vraiment émouvant et émotif ou émouvant. Même chose, je crois. Hein. Il y a de l'émotion et de la mouvance. D'abord, tu vas le sourire, mais émotif. Voilà, c'est vrai. Gâche en vrai, vraiment. Ah que ce soit, ah que ce soit. On commence d'abord la musique, on danse parce que Mimi parle le lac. Quelle musique? J'ai pas envie de danser. Moi j'ai envie de danser. Mais danse, qui t'empêche? Non, mets quelque chose. Tu dis que tu n'aimes pas ma. Non, mets ta part là, je vais danser d'abord parce que l'interview d'aujourd'hui c'était la mort. Pardon, mets la musique s'il te plaît. Quelle musique alors? Mets quelque chose. Mets quelque chose. La musique est ici, là où on est en train de filmer. Ah bon? Comment ça? Vous filmez d'ailleurs? Mais il y a l'eau. À clair. Il y a une pimpine. Il y a. C'est une pimpine. Voilà. Yamba.
Si vous voulez voir la version finale, la version originale, venez à... C'est au Sayen Festival. C'est au Sayen Festival. Du 24 au 26 juillet 2020 aux États-Unis à Maryland. Je suis essoufflée, ça va quand même pas danser vraiment. Je ne me suis même pas encore bougée. Yamba. Hey, yamba, 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 si, yo, si, yo. Yamba, 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 yamba,